Les Jardins jeunesse du terrain de jeu de Saint-Flavien sont nés dans le cadre du programme des Mousquetons, qui est un programme de père aidant pour les jeunes de 9 à 12 ans du camp de jour. Dans le fond, on a créé ce programme-là parce que les jeunes avaient une perte d'intérêt envers le terrain de jeu. Donc, on s'est dit, on va innover, puis on a créé les Jardins pour essayer de faire une nouveauté, une nouvelle expérience de vie pour eux. Et en même temps, bien, travailler beaucoup sur les saines habitudes de vie là, en faisant des ateliers culinaires, en cultivant nos légumes et tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire une nouveauté et d'innover dans le cadre de notre terrain de jeu. Les enfants aiment ça. Je travaille très fort depuis le début, même avant l'ouverture du terrain de jeu, on a débuté notre projet. Donc, ils mettent beaucoup, beaucoup de temps et ils ont beaucoup de patience pour le faire. C'est vraiment extraordinaire là-dessus. Et on a des belles retombées là, au niveau du plaisir qu'on a en groupe là, dans ce programme-là. On essaie de goûter à nos légumes aussi, à nos fleurs et tout ça. Donc, ça, c'est merveilleux. Et ça les... Et je pense que ça a un effet apaisant sur eux, ça les calme. On a des beaux résultats, particulièrement aux garçons, quand ils font la cuisine, quand ils travaillent leurs légumes. Donc, c'est un beau, du positif pour notre projet. Pour faciliter la vie dans un projet comme ça, ça nous prend absolument l'approbation de la municipalité parce que non seulement on est sur un terrain municipal, on utilise des infrastructures, mais aussi au niveau des budgets. Donc, nous, on a la chance d'avoir un employé à temps partiel pour nous aider là-dedans. Sinon, on ne pourrait pas réaliser ce projet-là tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ça, c'est un gros plus, mais aussi, ce qu'il nous faut absolument, c'est l'approbation de tous les membres d'une équipe d'animation, pas juste la coordination de terrain de jeu ou les responsables, toute l'équipe, parce que ça chamboule des fois les horaires et tout ça. Mais à date, on a vraiment une belle combinaison avec des jeunes dynamiques et des parents qui s'impliquent. Donc, pour nous, c'est parfait. Et je vous dirais qu'une des choses primordiales, c'est l'équipe de travail. Notre équipe d'animation a embarqué dans le projet. Et on a aussi des parents super dynamiques, hyper impliqués. Donc, avec les jeunes, ça a fait un beau mélange et on a réussi à créer ce beau projet.